Pour le voyage, c'est pas dans les meilleures conditions. Et d'abord, c'est bien ici, c'est que Ayam est une famille. Vraiment faux. Afin de bien entendu les. Je n'aurai pas d'autre choix que de vous embarquer, on vous ramène à ce niveau.
J'ai mis solidarité. S'il y a quelqu'un qui est malade, tout le monde doit être autour de la personne qui se sent mal. Parce que nous sommes une famille. Nous ne sommes pas obligés de nous apprécier. Nous sommes tenus de cohabiter et de vivre ensemble. Je n'ai pas envie de dire pendant 10 jours, mais désormais c'est comme ça. Donc ceux qui pensaient que vous, par exemple, vous serez dans un bus avec les copains, c'est fini. Là, ça arrive dès qu'on sort de cette salle. On sort, on vous asseyez, on vous embarque au fur et à mesure dans le bus. Celui qui n'a pas amené l'autorisation parentale de son parent en dehors de l'étudiant qui vient de l'INSA, qui sont étudiants à l'INSA, qui viennent pour un stage. Ceux qui n'ont pas l'autorisation parentale signée, je ne peux pas vous emmener. Parce que c'est une responsabilité. Et puis, une autre chose, j'avoue, mon Dieu, on part par là-bas, vous n'allez pas transformer le dortoir en église. Les églises, là, les églises, vous les laissez à la maison ici. Si vous voulez prier, vous mettez dans un coin, vous priez dans le cœur. Je ne veux pas que vous transformiez le dortoir en église. Aussi bien, c'est valable aussi bien pour ceux qui veulent transformer le dortoir en église que ceux qui veulent transformer le dortoir en bar. Parce que généralement, ceux qui ne boivent pas, ils ont leur. C'est l'église. Si vous voulez boire, vous sortez de la pièce, de façon qu'il y aura suffisamment d'espace, vous mettez dans un coin. Vous pouvez boire. Mais je ne veux pas voir les gens fumer. Go. Non, toi tu suis le désordre. Non, on monte ici, viens ici. Vous désordonnez comme ça. On est à deux en fait. On est à deux. Il y a deux places. Hey, yes, I, my man, les managers développement. Avant. Mais on va ajouter quand même devant. Je ne rêve pas de ma vie, je fais de ma vie un rêve. À chaque seconde, j'apporte mon aide pour changer le monde. Aider les hommes à s'épanouir, à quoi sert un fruit s'il n'est pas mûr? J'ai les atouts du manager et j'incarne le leadership. Je favorise la diversité, source des richesses et des créativités. Au service de la cité, je coordonne les activités. Je produis la valeur qui conduit au changement. Mais on te filme!
c'est la vidéo. Oh non. Oh là là. C'est la balle après caméra. Voilà, c'est là-bas. Oui, une photo comme ça. Je suis avec Moussourou. Là, nous allons dans sa province là bientôt. Donc du coup, voilà pourquoi il a ce boubou là et c'est vert. Voilà, je prends. Ici aussi, vous voyez, c'est grand frère et petite sœur. Bon, l'autre là-bas, on l'a poussé de la voiture. Bah, c'est pas du lit, quoi. Pas du lit, de la voiture. C'est le binéné. Mais montre le visage au moins. Ah, voilà. Aïe. Lionel, ça va? Bon, les Lionel. Bon, maintenant, bon, ok. Voilà, ok. Bien, maintenant, je suis là. Moi, c'est Lionel. Et bon, maintenant, bon, comme j'ai, cette fois-ci, je n'ai pas été oublié par le bus. Et que là, je suis en train de faire ma deuxième descente. Et après, on va encore m'oublier quelque part sur la route. Et bien, moi, Lionel, je suis là. Mais sinon, ça va aller. T'inquiète, je contrôle. Nous sommes en pleine immersion. Et bien, et puis, on n'est même pas au milieu du trajet. Hein. Mais sinon, ça va aller. On est là en contrôle. Merci. On est à l'aise. Chibonga 2019. Chibonga 2019. Immersion 2019. On va le micro en chant du bus. Tout est fait. Oh, là, tout à fait. Pimpa, il danse là. On chante à l'aise. Oui. Mais la musique, tu danses un peu. Et quand tu es défié à danser. Jamais les journalistes ne posent des questions. Maxwell, monte déjà dans le bus. Maxwell, monte dans le bus, monte déjà. Cette fois-ci là, on ne te prend plus. On ne te prend plus. Maxwell, on t'attend. Allez, prends pas sur toi. Avec habilité pour un travail de qualité, c'est ça l'idée. Gardez-nous des élites et vicieux.
mission prédéfinie. Marquer l'histoire d'une vie, c'est y être présent à vie. Partager le même amour, les mêmes envies dans ton vie. Yeah. Ah. Ah. Une élite se distingue par ses actions. Homme d'honneur, ma formation. Information. Nous venons pour 10 jours d'immersion, 5 jours à Ponga et 5 jours à Tchibana. Nous avons la chance et le privilège d'être reçus par la première autorité administrative de la province, donc le gouverneur, qui, depuis qu'elle est là, n'a cessé de ménager aucun effort pour nous accompagner dans le cadre de nos activités. Elle a bien tenu, n'est-ce pas, qu'on vienne lui présenter ses civilités et qu'elle puisse mettre. Elle n'aura pas le temps de mettre un nom sur un visage. Mais au moins, elle sait que si elle croise un jour, elle pourra identifier qu'effectivement tel étudiant de l'ANM, ça c'est bien. D'une part, donc, d'autre part, demain elle viendra à Panga pour témoigner son engagement et pour tout ce que nous faisons. Elle sera à ses côtés, il y aura le sénateur Nzaou, le préfet du département de la Espagne. Et d'autres autorités qui vont venir avec elle, probablement le secrétaire général. Voilà. Et ensuite, il y aura une autre phase ici, dans le cadre du Technopole que nous avons. Alors, je vous avais, nous avons initié des projets pour chaque département. Le Gabon a vraiment besoin de vous. Le Gabon a besoin de vous et ça cadre bien avec la vision du chef de l'État qui parle d'initiative départementale. C'est vrai qu'il y a un fonds, mais il n'est pas dit que tout ce qui se fait partira que de ce fonds. Il y a aussi des initiatives que les jeunes portent avec le concours des étudiants de l'université. Donc ça vous permet vraiment d'être en phase d'immersion, pas seulement pour les besoins de vos études, mais pour la suite. Parce que ça vous met vraiment en situation de promoteur, en situation de créateur d'entreprise. Donc, d'offres d'emploi et d'offres de production parce que, comme le disait monsieur le ministre, aujourd'hui nous ne voulons plus d'une agriculture contemplative, on veut vraiment passer à la phase de productivité. Et c'est, on ne peut parler de productivité ou de cluster ou d'entreprise qui vise la compétitivité que si il y a des porteurs de projets. Et je pense que la phase d'immersion nous permet vraiment de comprendre que le Gabon a besoin d'un tissu économique fort pour qu'on atteigne les chiffres de croissance que nous voulons vraiment atteindre. Bon, donc, bon séjour hein, dans la province de la Nyanga. C'est ton temps, élève ton temps. Fais vibrer les ondes que tout le monde t'entend. Okay. La valeur n'atteint point le nombre d'années. Sache qui t'a sorti vient à point nommé. Alors on a besoin de managers compétents. Tu nous l'avons à travers le culte de l'excellence. Je suis sûr que demain nous serons de grands hommes. Quand tu nous apprends à être des managers autonomes. Pluridisciplinaire n'oculant devant rien. Un bon manager doit toujours viser le sommet. Plus qu'une école à une tête. On souhaite appartenir pour toute la vie. I wish that the name be singing to the continent. I would like to be to you forever. To leave you, I don't think, no, never. Acteurs du développement, finir entrepreneur.
monde doit aller dans le rythme du pas de danse. Attachons nos ceintures. What is a moment? Là tu sors ou bien je sais pas. Je vais chanter le bois. Non, je vais le vin. Ouais, tu sors. Ah, Archie. Bon, en même temps, il peut filmer, il n'y a pas des trucs bizarres là. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Vas-y, vas-y. Regarde, on te dit stop. C'est toi. Même si c'était pas l'eau. C'est moi. Même si c'était pas l'eau. Stop. On était des joueurs, mais ça passe sur le sujet de l'eau là. Stop. Eux. Ennemis. Attends, il n'est pas sorti celui-là. Non, il a lavé. Élégance. Élève. Électro. Tu ne joues pas, madame. Non, on n'est pas pour Billy. Non, non, non. Il faut continuer, les gars. Vas-y, le mot est sorti. Dis, vas-y. Entente. Électro. Émission. École. Éligible. Émissaire. Émission. Étudiant. Oh, étudier. Uniforme. Émission. Laisse tomber d'abord, j'ai déjà mis. Il en connaît la même chose. C'est bon. Il en connaît, lui, il est nul. Les gars, on va maintenant faire le step. Non, là, il est. Chacun de nous a 5 bits. Non, il n'y a pas de 5 bits. Il n'y a pas de 5 bits. On continue. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Banque. Bisous. Bourse. Bourdonnement. Beauté. Bourge. Bantou. Bénin. Bisoutage. Malédiction. Oui. Bêtisier. Bizarrerie. Marque. Bordereau. Père. Belgique. Brisé. Bombardement. Barbe. Bière. Barbe. Man. Billet. Bombardier. Bien-être. Bénéfice. Tes boutons sont mon village. Bourdonnement. Je ne sais pas. De l'eau. Non, on est passé. Votre loi n'est pas très claire. Hein. C'est là le coup. Oh, sinon, bon. Eh, ok. Toi, si tu bois. Frangipane. Force. L'eau de source. Franchement. Fer. Féminité. Franchement. Facial. Fluide. Fenêtre. Félace. Fessier. Fond. Frein. Fesse. Ah, ok. Ça allait trop vite. C'est bon les gars. Et la forme. Tu as de bonnes photos dans l'état là. Non, c'est l'immersion. Et sinon on m'a dit que tu as perdu ton becto hier. Non, pas mon becto, le sachet où il y avait tous mes effets de toilette, c'est-à-dire brosse à dents, pâte dentifrice, assiette. Ah ça. Là même j'ai dû me laver avec un t-shirt essuyé en guise de serviette. Donc là tu n'as même pas d'habits, rien. Bon les habits oui, c'est juste un sachet où il y avait le nécessaire. Ouais. Ça va aller. Ah ça va aller doucement. En plus, en tout cas ça te met dans les conditions là quoi. Ouais. Direct. Allez les gars. Non, descend d'abord. Okay. C'est pas fini. Mets bien le coude. Je dois bien mettre comme ça, ça doit être pour marcher. Bien le chien là. Fais ta colonne à côté. Vraiment le coup là, mais gage déjà. Après, tu vas pas les prendre deux. Mais attends, tu aimes pas, ouais. Tu joues dans ton costard, genre. Mais Mani, le gars là. Le gars, le manager arrive. Bon, je vous laisse. Oh, non, là, c'est bon. Le manager. Tous différents, à chacun son truc. Mais unis autour d'Ayoum. Revenus des horizons différents. Étudiants et professeurs apprennent à se connaître. Du mat, la Youm moi prêt pour son cours de mat. La journée sera longue pour lui.
aura trop d'étapes. Le nouvel aïe ou moi devoir contrôler tous ses pas. Le prof n'étant pas là dans l'amphi, on ne fait pas coup. On profitait du climat, un mec arrivé, tiens tout. Oh. Mais le cours doit bien commencer. Monsieur est là et toutes les filles sont trop blasées. Il a la classe, l'élégance et une voix d'homme. Centré dans tout ce qu'il fait, même quand il prend la parole. Ils vont s'en dire, chercher tout dur. Vous devez vous mettre au travail, oui, dès maintenant. Il va s'en dire, il va s'en dire. Pour être des mains, des grands travailleuses, heures de pause. Il va s'en dire que vous avez du temps. La porte s'ouvre, c'est mon élément. Il vient pouvoir, c'est devant nous, y'a nos identifiants. Mon fond d'envie, là, you, moi, c'est qui suit la table. En voulant cacher, Patty l'a détecté, il était trop tard. Jeune homme, viens tout seul dans ta solitude et remets-moi tes écouteurs. Toi-même dans ta solitude, ma sang. Que crois-tu qu'ici, c'est ton quartier? Tiens-toi bien, ne dis rien, donne juste ce que t'as caché, ce que t'as caché, yeah. Tout doucement, avec tout son baisse, arrive le DG d'Ayom. Avec un message pour nous encore à faire passer. Ces mecs-là n'a de rien lâché, peut tout faire quand il est fâché. Excellence, Mme le gouverneur, soyez la bienvenue à Pangra dans le cadre de la célébration d'AEM de la ville de l'Église. Merci. Ah, d'accord. Notable. Habitant. Ah, d'accord. Notable, représentant des populations. Ok. Vénérable, on peut. C'est une sénatrice. Ah, vénérable. Bonjour. Madame le gouverneur de la province de la Nyanga, Monsieur le préfet du département de la Basse Banio, Monsieur le président du conseil départemental de la Basse Banio, Monsieur le président fondateur de l'African University of Management, Monsieur le président de la coopérative Agripanga, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers étudiants, chers parents, Madame le Gouverneur, les habitants de Panga, par ma modeste personne, vous souhaitent la bienvenue parmi nous, ainsi que la délégation qui vous accompagne. Monsieur le Président fondateur de l'African University of Management, par ma voix,
Les populations de Panga et de Mugagara vous adressent leur reconnaissance pour le choix porté sur leur contrée d'abriter cet important événement académique. Soyez rassurés que nous serons à la disposition des étudiants et du corps enseignant pour toutes les informations nécessaires à leurs travaux. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux et fiers d'accueillir toutes les personnalités venues prendre part à cette cérémonie de lancement du stage d'immersion des apprenants. D'ores et déjà, et sur ce, nous disons bon séjour et encouragement à l'élite estudiantine pour leurs travaux de recherche. Et nous formulons d'ores et déjà les vœux de bon retour à la fin du stage. Je prie que Monsieur le préfet du département de la Basse-Banyou, Monsieur le président fondateur de l'African University of Management, AUM, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers étudiants et chers parents, Madame le gouverneur, c'est en ma qualité de président de la société coopérative simplifiée, agriculteur de Panga, en abrégé Coupe Agri-Panga, que je prends la parole pour vous souhaiter la plus cordiale de bienvenue au village Panga. Au nom des coopérateurs, je voudrais donc vous remercier très sincèrement de votre présence parmi nous. C'est le témoignage que vous prenez à cœur le développement économique et social des villages de la province dont vous avez la charge. Ces remerciements vont aussi à l'endroit des personnalités qui vous accompagnent. Monsieur le président fondateur de l'AUM, je vous prie d'accepter notre profonde gratitude pour m'avoir choisi comme parrain de ce stage d'immersion 2019. Je voudrais une fois encore souhaiter une bonne chance aux étudiants de l'AUM et succès dans leurs recherches. Je vous remercie. Madame le gouverneur, chers invités, nous sommes AUM, African University of Management. Nous sommes créés à l'issue du partenariat public-privé avec l'État gabonais, initié en 2012, après avoir organisé les États généraux de l'éducation. L'État avait bien voulu confier une partie de la formation au privé, qui accepterait, n'est-ce pas, de se mettre dans cette dynamique de formation des cadres de haut niveau. Et nous sommes créés en juin 2013. Nous démarrons nos activités en novembre 2013, avec les premiers étudiants bacheliers et quelques étudiants que nous sommes allés, recruter à l'université Mabongo qui avait la licence. Notre objectif, dès la création, c'est de former des étudiants qui vont avoir un parchemin, mais qui auront un projet de création d'entreprise, parce que nous sommes une université à vocation entrepreneuriale. Et la première édition de l'immersion, qui est une activité académique qui rentre dans nos objectifs de formation des étudiants, a été organisée avec le concours de la municipalité de Lambaréné. Qu'est-ce que nous avons fait à Lambaréné ? À Lambaréné, nous avons accompagné la municipalité dans le cadre, n'est-ce pas, de l'organisation des ressources humaines et l'optimisation de la gestion des ressources humaines. Nous avons accompagné la municipalité de Lambaréné dans le cadre des études d'impact. Nous avons fait une étude d'impact qui a été organisée entièrement, réalisée entièrement par des étudiants. Ensuite, il y a un outil que nous avons mis en place, l'outil de lean management, dans le cadre des procédures au niveau de la municipalité. À l'issue de cela, le maire a bien voulu mettre à notre disposition 6 hectares de terrain. Et là-dedans, nous y avons planté 6 hectares de tubercules de manioc. Deux ans plus tard, nous sommes repartis
pour récolter, on a pu avoir 10 tonnes de tubercules de manioc. Et ça a été commercialisé dans la ville, mais à un prix vraiment symbolique. L'objectif, c'était de montrer aux étudiants qu'on pouvait tronquer le blazer par un jean comme je suis habillé et non seulement produire de la richesse, des emplois et participer au développement économique du pays. À l'issue de cette aventure, on va dire ça comme ça, nous avons eu un appel d'offres organisé par le PNUD pour accompagner la ville de Gamba, toujours dans le cadre de l'optimisation des ressources humaines. Et nous avons également accompagné la municipalité de Gamba, qui est une municipalité un peu particulière. Shell étant parti, ils avaient du mal, n'est-ce pas, à recouvrer les taxes pour augmenter le budget. L'étude a été entièrement réalisée par les étudiants, nos étudiants, pour la plupart qui sortaient de l'université Mabon, qui n'avaient jamais fait du management, qui avaient fait droit, qui avaient fait psychologie, qui avaient fait sociologie. Et en 6 mois, on en a fait des managers. Et après cette expérience, nous avons pensé qu'on pouvait, je suis d'ici, je suis de la Nyanga, on pouvait optimiser cette expertise-là, expérience qu'on avait à Tubanga. Nous avons fait 13 hectares de tubercules de manioc à Manfila, mais qui malheureusement ont été décimés par les éléphants en 4 jours, malheureusement. Et avec des étudiants, il y a 3 ans, nous avons démarré avec 250 mètres carrés de riz paddy que nous avons ramené de Africa Rice. Et là, nous revenons pour une immersion avec des objectifs précis. Et comment nous sommes intéressés à la ville de Panga? Nous avons rencontré le président de la coopérative Agrip Panga, avec qui nous avons partagé en 5 minutes, nous avons pris la décision d'organiser une partie de l'immersion à Panga. Parce qu'effectivement, il avait 2 projets qui rentraient dans nos objectifs académiques. Il avait un projet écotouristique à réaliser pour Panga. Il avait un projet agricole, parce qu'effectivement, l'ANPN, l'Agence Nationale de Parcs Nationaux, a doté cette contrée qui est une zone tampon dans le cadre de la préservation de la faune et des richesses aussi bien fauniques, océaniques que flore. Nous avons pensé qu'on pouvait mettre à la disposition des étudiants, à la disposition de cette coopérative, l'expertise de l'université. Mais il faut dire que ce n'est pas notre expertise, c'est l'expertise des étudiants qui savent monter un projet. On n'attend plus un jeune qui vient parce qu'il a bac plus 5, plus 7, et qui attendrait que le supérieur lui donne du travail. Le nôtre, il arrive, il va observer l'environnement, il sait monter un projet, il va identifier tous les manquements de l'entreprise, il en fait un projet et qu'il va porter à l'intérieur de l'entreprise. Lui, là, il est un intrapreneur parce qu'il entreprend dans une entreprise déjà qui est existante. C'était pour vous remercier d'avoir non seulement accepté de venir, mais aussi de vous impliquer. Et désormais, vous n'avez plus 4 enfants, vous n'avez plus 10 enfants, vous en avez 150, en plus de moi-même. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Université, vénérable sénateur, président de la coopérative, ainsi que tous les notables qui nous ont accueillis, ma délégation et moi-même. Donc, merci pour cet accueil. Et pour vous dire, monsieur le président de la coopérative, d'être un peu plus ambitieux dans le projet que vous allez refiler à ces têtes pensantes, à cet incubateur. C'est vraiment un incubateur d'entreprise. Donc, ils vont vous réaliser un projet pour que ce ne soit plus une vision d'agriculture vivrière. Il faut réellement viser le développement, viser la productivité. C'est faire de votre production que vous avez présentée dans le logo, le manioc, un produit qui puisse apporter de la valeur. Et effectivement, dans la maîtrise des chaînes de valeur, il faudra voir qu'est-ce qu'il faut que vous maîtrisez pour apporter plus de valeur à ce produit. Et Panga, c'est un village du Gabon, je dirais le plus beau du Gabon, qui fait rêver,
qui est sur la côte. Donc, c'est très bien déjà de penser à réfléchir à des projets d'écotourisme et de voir dans le cadre du projet d'écotourisme, voir comment aménager une zone, un lotissement pour attirer des investisseurs, des personnes qui peuvent construire des hôtels et ça attirerait énormément de personnes qui viendraient visiter toute cette beauté que nous avons au Gabon. Donc, merci au président de l'université pour vraiment la vision que vous avez du développement du pays en encadrant ces jeunes. Effectivement, on apprend plus par l'expérience, par mimétisme, en voyant ce qui se fait et on apprend le mieux. C'est vrai qu'on a passé plus de temps à faire dans les cours théoriques, mais je pense que venir en immersion, voir comment les coopérateurs cultivent, ça leur donnera plus d'idées pour mieux cerner le projet que vous leur demandez. Donc je vais pas, j'ai pas toute la hargne de monsieur le président de me tenir encore plus longtemps. Je vais pouvoir m'arrêter là et dire merci, vraiment merci pour ce que vous faites pour la province de la Nianga et pour le Gabon en général et je vous remercie. Comment à la forme. C'est chaud, comme ça. Ah, mais c'est trop tard là, tu as été lent là, hein. Mouille le maillot, toi aussi. C'est lui, c'est pour lui. Mais attends, c'est professionnel. Ouais. Il est dommage que ça n'a pas le logo de AUM, c'est mort. Mais attends, non, c'est eux, comment elle est fédérale. C'est bien l'équipe. C'est soutien. C'est dans un sas, c'est son table. C'est le sas, c'est le sas. Il n'y a pas une autre vidéo de la paix. Vu que ça ne bouge plus, on amène ça. On décharge les affaires des étudiants qui viennent à peine d'arriver dans le printemps. On va apporter les affaires en bas, dans leur dortoir, puisque c'est des êtres faibles. Non, c'est pas grave, de toute façon, on est Gabonais, on est habitué avec le temps en fait. Il faut dire que lorsque je suis arrivée pour la première fois, la seule envie que j'ai eue. Non, moi c'est la posture et tout ça. C'est de rentrer chez moi.
Ah, je vous assure. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait vraiment pas. Les téléphones sont tout le temps éteints, mais bon, avec le temps, on apprend à s'adapter. C'est un très beau village. Le village, il est très beau. Ils auraient dû penser à mettre les boutiquiers et l'eau courante. Il faut dire que Pangra, c'est un très beau village. Ouais. C'est bien, tout le monde est bien. On apprend à parler, même avec ceux dont on n'aime pas. Les personnes que l'on n'aime pas, on apprend à les aimer. C'est un peu ça. Et là, tout à l'heure, bon, on a reçu le reste de nos bagages. Donc, on peut dire que c'est un sentiment de joie et de satisfaction par rapport, par rapport à nos bagages qui sont venus. Donc on peut dire que nous sommes complets et vraiment on s'adapte. C'est ça, merci. Break it, break it, break it, break it, break it. Break it, break it, break it, break it, break it. Break it, break it, break it, break it, break it. Break it, break it, break it, break it, break it. Tu fais quoi, c'est tu te laves avec ça. Et puis tu me vois, pas chop. Et puis c'est le chop chop. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dès le matin là, tu sais comment? C'est le matin qui est plus. Oh, mais vous partez. Là-bas, direct, là-bas, on a des autres à la pompe. Tu descends le pro, hein? Quoi? Je suis le matin. Ça, quoi, madame Camille, madame Camille, y'a. Gaz. Y'a quoi? Hein? Le matin, on se lève, on va aux activités. C'est pas de ma faute. Regarde les yeux, Mali. On sent que toi, là, tu as bu. Qui? On met les bottes. Tout le temps. De notre pays, action qui participe au développement. Bien, de notre pays, pour ton avenir, chien pro. Rien n'est jamais trop tôt. Pourquoi attendre en case après une formation pro? Le chômage est élevé, nous devons rabaisser le dos. Après un diplôme, un projet pour nous, voilà ce qu'il faut. Citoyens en action, on peut changer l'Afrique, exemple pour toute une génération. Faut bien confiance en soi, un leadership, une formation. La création d'une entreprise, une société en progression. Nous sommes la solution. Un diplôme, un projet, c'est quoi nous inspirons. Un diplôme, un projet, c'est quoi nous inspirons. Nous inspirons.
Bien. Oh, s'il vous plaît, faites un cercle autour de moi. Un cercle. Rebonjour. Bienvenue ici à Panga. Là où nous nous trouvons, c'est la forêt qui a été circonscrite par la NPN. D'une barrière que vous voyez les uns devant les autres derrière pour les plantations vivrières des villageois. Comme je le disais dans l'allocution que j'ai faite hier en présence de Madame le gouverneur, Panga est dans la zone tampon du parc Mukalaba Doudou. De ce fait, elle est souvent envahi par les éléphants qui viennent dévaster les plantations vivrières. Donc, suite aux différentes plaintes et à la sollicitation des villageois, l'ANPN a installé une barrière électrique qui jusqu'à présent est très efficace parce que, comme nous allons le voir, les pachydermes tentent de rentrer mais ils sont toujours repoussés. Alors ici c'est une forêt de 52 hectares. Dans ces 52 hectares, nous avons pensé que la coopérative qu'on vient de créer doit avoir une partie où elle doit installer ses plantations. Ce sont des plantations évidemment de cultures vivrières, mais également des fruitiers. Cette carte-là illustre justement cette forêt. En face de nous, c'est là où les habitants de Panga ont commencé à faire leur plantation. Nous allons aller voir, après cette petite intervention, comment les parents font les plantations. Ce sont des plantations sur brûlis, on le verra. Mais à notre gauche ou à notre droite ou à notre devant nous, en tout cas sur la partie sud, c'est là où on a réservé pratiquement 14 hectares pour la coopérative. Environ 8 à 9 hectares pour les cultures vivrières et toutes les savanes incluses vont être cultivé, mais on va planter des fruitiers. Nous allons voir peut-être ce soir ou demain une présentation du plan de développement de la coopérative Agri-Panga sur 3 ans. En tout cas d'ici 2022, nous avons un certain nombre d'actions que nous allons réaliser. Donc ceci étant, pour ne pas trop retarder, nous allons donc rentrer là-dedans, mais toujours avec en discipline, avec la discipline, rentrer dans la forêt pour voir les plantations villageoises. Peut-être qu'on aura l'occasion d'aller à la centrale, mais il y a des fils de courant qui ont ou passent une intensité de l'ordre de 6000 volts. Alors 6000 volts, si ça vous tient,
C'est quand même voilà, difficile de se relever. Mais ici, ça alimente souvent vers quelle heure? Toute la journée. Donc là, on a arrêté ça. La nuit, comme de jour, le courant passe. Et on a laissé ici un passage pour les habitants, pour aller dans leur plantation. Et il y a un disjoncteur ici qui permet de couper le courant ici. Okay. Donc on peut attraper et on met le fil de côté, okay. Les villageois rentrent. Et le soir, quand ils ressortent, quand les femmes ressortent ou les hommes, hein, eh ben, ils remettent le fil et ils actionnent le disjoncteur. Ils ont été formés pour ça? Ils ont été formés pour ça et c'est le monsieur qui est le responsable de la surveillance de du courant, de la barrière. Donc tous les jours. Moutinga Jean-Baptiste. Tous les jours, il monte à la centrale pour aller mesurer l'intensité. Si l'intensité est autour de 5, 7, 6, c'est bon. Mais dès qu'elle diminue de l'ordre de 4 à 3, là, il doit faire le tour pour voir s'il n'y a pas une branche ou s'il n'y a pas de l'herbe. Parce que lorsque l'herbe ou une branche est sur les fils, eh bien, il y a un court-circuit qui peut faire disjoncter et en ce moment-là, un éléphant qui arrive passe. Alors, l'éléphant, avant de toucher carrément la barrière, eh bien, il vient, dès qu'il touche là, sa trompe, que ce soit la trompe, que ce soit n'importe quelle partie du corps, dès qu'il touche ces antennes-là, il y a une décharge, il reçoit une décharge qui le propulse. Si bien que jusqu'à présent, il n'arrive plus à le faire. Voilà. Donc, pour le moment, c'est une barrière extrêmement efficace. Monsieur, une question. Oui, une question. Ouais. Est-ce que les animaux meurent lorsqu'ils s'électrocutent? Non. Ils ne meurent pas. Ça les remet, ils fuient. Ils fuient, simplement. Ça les repousse. Voilà. En tout cas, depuis que ça a commencé, les pachydermes n'arrivent même pas plus à la ici. Voilà. À partir de là, ils sont déjà. Ils sentent. Ils savent que là, il y a un danger, ils ne peuvent pas. Ils ont leur sujet. Au début, ils le faisaient, et il y a un pachyderme qui est tombé, qui a même fait des déjections, et il est parti. Voilà. Il faut donc comprendre qu'ils sont de ce côté. Voilà, c'est ça. Ils sont de ce côté. Parce qu'on avait tout fait pour les faire sortir. Voilà. Ici, il n'y a que des petits animaux. Les singes, les antilopes, etc. Qui ne sont pas trop dévastateurs. Voilà. Il y a encore une question? Bien, on va rentrer. Bien, nous sommes en train de rentrer dans la forêt pour y voir les plantations vivrières que les villageois ont commencé à réaliser, ce depuis une dizaine d'années. Parce qu'avec toutes les destructions causées par les éléphants, eh ben, les villageois s'étaient découragés. Donc ne faisaient plus les plantations. Avec cette barrière-là, ils ont eu le courage de refaire les plantations. Encore que ce n'est pas tout le monde parce que beaucoup hésitaient. Beaucoup hésitaient, beaucoup doutaient. Mais lorsque ceux qui n'ont pas réalisé les plantations ont vu les autres, eh bien, ceux-là se mettent à croire et promettent de venir faire leur plantation. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Grâce à ça, les villageois vont s'autonomiser. La pauvreté va être réduite. Voilà. Nous sommes là donc face aux premières plantations depuis 1996.
bon, 96-2000, hein, 2000, il faut dire 2000. 96, il faisait un peu, beaucoup, mais après 2000, vraiment, c'était difficile de faire une plantation. Vous voyez que si il y avait les éléphants qui pénétraient ici, tout ça n'existerait pas. Tout ça n'existerait pas. Donc, c'est signe que, véritablement, la barrière électrique est une des solutions pour lutter, pour régler, solutionner le problème, la problématique de la lutte contre les pachydermes, donc du conflit homme-faune. Vous voyez ces feuilles-là, hein? Ce sont des feuilles d'une plante qui est attaquée par une maladie, parce qu'elle est froissée. Bon, en principe, on devrait l'arracher, parce que ça ne va pas donner une bonne production. Mais comme vous savez, les habitants du village, hein, les villageois, eux, ils n'ont pas... C'est vrai qu'ils les sélectionnent un peu, mais ils n'ont pas ces notions-là de sélection. Bon, donc, ils plantent ce qu'on appelle du tout venant. Même les boutures qui sont malades. Alors, vous voyez même leur plantation, il y a plein d'arbres qui sont enchevêtrés entre eux. Alors, voilà comment on plante. Hier, je disais que la feuille, on peut l'utiliser. Et le tubercule également. De même, la bouture. Voilà, vous avez la bouture ici. Et puis, tout simplement, vous faites ça. Voilà. Et puis, vous faites ça. Terminé. Bravo. Voilà. Si on revient dans deux semaines, allez, ils n'ont pas vu. Voilà. Donc, si on revient dans une semaine, deux semaines, alors, ça devrait bourgeonner ici, et puis une nouvelle plante repart. Parce qu'il y a plusieurs variétés. Vous voyez vous-même ici, comment on détermine la variété, c'est en fonction ça, de la tige, des folioles, c'est ce qu'on appelle la foliole. Et puis, parce que vous voyez ici, c'est rouge. Mais voilà, il y a une autre plante là qui est blanc. Donc ce sont des variétés différentes, deux variétés différentes. Donc il y a des variétés qui produisent au bout de 6 mois. C'est souvent ce qu'on appelle le batimba. Voilà, donc les tubercules sucrés. Mais il y a d'autres après 12 mois. C'est souvent les tubercules amers. Et ce sont malheureusement les plus productives. Vous voyez, cette plante, voilà, a des feuilles jaunes et puis froissées, c'est une mosaïque. Bon, il y a d'autres maladies. Bon, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture, hein, moi je suis forestier. Voilà, mais on l'apprend dans les livres. Il y a plusieurs maladies et en général, hein, par exemple, le virus, hein, du manioc, il n'y a pas de médicament. Le seul médicament, c'est sélectionner le bon plant sain. Voilà. Dès que vous trouvez ça, il faut aussitôt supprimer. Parce que ça ne donnera pas la production voulue. Voilà. C'est ça. Et lorsque vous faites la culture du manioc, il faut choisir le terrain. Le terrain ne doit pas être trop pentu. Il faut un terrain assez plat. Un tout petit peu en pente, vraiment légèrement. Parce que sinon,
Lorsque vous allez planter, tous les nutriments vont partir avec les pluies. Et le rendement escompté ne sera pas... Vous n'aurez pas ce rendement escompté, donc ce sera difficile d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'est pourquoi nous avons d'abord... on a circulé dans la forêt pour voir sur quel endroit on doit faire ces plantations-là. Nous allons faire à l'intérieur de cette barrière plusieurs parcelles de culture, vivrières, fruitières, et ça va permettre aux villageois de Panga vraiment de s'autonomiser. Nous avons fait une limite qui sépare la zone villageoise et la zone qu'on réservait à la coopérative. Alors vous voyez ici, c'est une savane, mais cette savane peut être utilisée, peut être exploitée par notamment des arbres fruitiers ou carrément du manioc. Donc nous allons étudier, nous allons faire prélever des échantillons de sol qu'on va analyser pour voir quelle est la culture qu'on peut faire ici. Qui vous analyse? Vous envoyez ça à Libreville? Nous envoyons à Libreville. Il y a le laboratoire de l'IRAF qui nous permettra de faire cette analyse-là. Voilà. Ouais, on avance encore un peu plus là. Non, non, non. On a fait simplement un layon. Voilà, tout à fait. Ici, par ici. Vous voyez, on va profiter de... Vous voyez là, ce sol qui est riche, hein? Évidemment c'est du sable, mais c'est un sol approprié pour le manioc. Et tout ça, c'est cette litière là va nous servir pour développer le manioc, pour que le manioc pousse bien. Voilà. C'est vraiment une culture de manioc ici. C'est vraiment une culture, un sol adapté pour le manioc. Donc voilà, nous allons continuer encore. Il y a des écoumés. Tous les arbres que vous voyez roses, ce sont des écoumés. Alors, l'écoumé a une odeur caractéristique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le koumé. Qui a déjà vu le koumé? Très bien. Est-ce que vous avez humé son odeur? Hein? Voilà. Ça, c'est le koumé. C'est notre bois emblématique. Il est presque endémique au Gabon. Mais on le retrouve au Congo, on le retrouve en Guinée équatoriale et au Cameroun. Et on l'a beaucoup étudié. C'est une espèce très prisée, très importante pour notre pays, parce qu'après le pétrole, c'est ça qui va nous rester, c'est la forêt et l'agriculture. Oui, tu vas faire.
Tu vas ramasser l'autre couleur, tu vas ramasser l'autre. Ça c'est, il faut mettre le pied ici. Le bal au bois. Attends, attention. Hein. Oui, tu vas faire. Pas solide. Ça c'est l'insecte. Ok. Je m'aperçois de toi. Vraiment, je suis content parce que moi, je ne veux pas te filer pour eux. Ça, c'est les malins lorsqu'il arrive. Oh, God. Ne mettez pas les pieds dans l'eau. Attends, il ne gaspille pas la route. Ne mettez pas les pieds dans l'eau. Bacaré. Il y a les câbles. Ça fait comment boîte ici. Ah Marie, wow. Monte. Allez, Marie, tu peux le faire. Jennifer, fais comment pour arriver ici. Oh, mais arrête de faire ça. Oh, on va prendre de l'eau. Dis-moi, pardon. Regarde comment vous êtes. Non, voilà. Daniel. Ah, Magnassa. Non, ça descend, non, Mais tu te laves pas là ou quoi? Tu as attrapé le coup. Ça. Après un village, quand tu vois un village, l'eau, le coup de ça ne boit pas l'eau. Parce que ça fait là, tout ce qu'il faut, par là. Mais on a fait ça jusqu'ici. Jusqu'ici. Alors on a fait ça jusqu'ici. Voilà. Donc on se retrouve là. Et ça c'est la plaine là. Et ça c'est la forêt là. Et puis ça c'est la petite plaine de derrière là. Voilà. Maintenant après on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Voilà la plage. Voilà. Et quand on va arriver vers ici, allez, on va aller à la plage. Sont les merveilles de la nature.
sens en sécurité. Sur la plage de Panga, à environ 30 km à vol d'oiseau de Mayumba. Ici, à ma gauche, c'est l'embouchure de la Boumé-Boumé. Et à ma droite, c'est Mayumba. Vous voyez là-bas, c'est la pointe Panga. C'est un site archéologique qui sera exploité, d'ici quelques années, parce que là, on a trouvé des objets qui datent de 1000 ans, 1500 ans. Donc ici, c'est aussi un site touristique très prisé où viennent souvent les touristes passaient leurs vacances. Donc, Panga est très riche en termes de produits touristiques, dont le premier est la plage. Et c'est ici, sur cette plage, que viennent pondre les tortues luttes. Ensuite, nous avons des buffes qui viennent se baigner sur la plage, dans l'eau, dans la mer. Et lorsque vous avez la chance, vous pouvez les apercevoir. Mais ils ne sont pas encore très habitués à la présence humaine. Donc souvent, c'est dangereux lorsque vous venez à une certaine heure ici. Quand la houle vient s'abattre sur la plage, lorsque les vagues retournent, l'eau retourne, elles peuvent vous happer. Et lorsque vous allez à environ 10 mètres de là, eh bien, il y a un courant qui vous entraîne. Donc c'est une plage assez dangereuse. Mais les spécialistes, par exemple les surfeurs, viennent là, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ne savent pas nager, elle est quand même dangereuse. Voilà. Panga est dans la province de la Nyanga. La province de la Nyanga compte 6 départements. Il y a Mayumba, Mwabi, Mouleng Binza, Mabanda, et le département de Mogouti et enfin un autre que je ne connais pas. Non, attends, je ne peux pas dire ça. Oh non, ça je ne peux pas. Mongo, Mayumba. Banda. Ah non, là, je suis planté. Thank you.
l'engagement d'appartenir à la grande famille ayumoise. Parler de la personne qui a créé, après le départ de la SNBG, ce village. C'est le chef de Goa. C'est le chef de Goa. Tout ça, c'est Goa. Mais le village Goa n'existe plus. Mais son nom est toujours éternel. Et éternel. C'est le chef de Goa. Il s'appelle Monsieur Paga Paga. Non, Monsieur Paga Miyindou. Ah, Monsieur Paga Miyindou. Oui, autant pour moi. Monsieur Paga Miyindou Théodore, le père de Paga Paga. Voilà. Pexo. Voilà. Bah oui, tu m'as dit ça. Il y a une bêtise. En fait, il dit que moi, je suis de Goa. Je suis de Goa. À 100%. Mais je suis né à Panga, comme je vous ai expliqué. Je suis de Goa. Tout ça, c'est Goa. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est lui le chef de Goa. C'est lui qui a créé avec son fils ce village qui n'existait plus. Hein. C'était la base vie de la SNBG. Mais la SNBG était partie, donc c'était devenu de la broussaille. Et lui, courageusement, avec son fils, sont arrivés ici pour y demeurer. Et lui-même, il va vous dire pourquoi il est venu ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je vous ai raconté un petit bout, mais je n'ai pas voulu aller plus vite parce que je ne peux pas mieux expliquer que lui-même. Monsieur le Président, il est confondu parce que il colle l'université. Tu vois, bac. Ou quand l'université, il est là. Ayan, il n'y a pas. Il est là. Ayan. Gabou. Avant, il est là. Il na ma longue ma vie. Avant, il est là. Moumoula. Mouiba pa, moi, mouiba pou, moi, mouiba zami, mouiba où c'est. Baba y so malong ma vie. Ma wot seneng mo yikoli yandi yandi ben. Avang arung na dolitian. Na yineng yan. Ba ou ni mamba telugun. Mwisi ma yum, mwisi ma sang. Considérant notre volonté d'apporter au pays nation une collaboration active et sans discrimination. Considérant la prise de conscience des divers aspects d'une responsabilité professionnelle pour la paix. Considérant la responsabilité du management des gestionnaires à l'égard des hommes et son environnement. Considérant l'importance des problèmes éthiques que soulève l'application de la technique.
Mais c'est le son que tu donnes. Tu donnes le son. Tiens, 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 en pile. Le soleil. En pile avec l'autre. Donc c'est bon. Regarde, regarde. Tu mets les gars. Allez, viens le scotch en haut. C'est comme ça que ça se passe ici. Demain, on commence le planting. Non, mais là, c'est bien. On va suivre votre logique. Comme je disais, qu'on ne peut pas venir tout changer maintenant. Là. On ne peut rien changer. Ce qu'on va faire, on ne va rien changer. On va juste améliorer par rapport à ce qu'on a. Et votre expérience va servir à améliorer le rendement. Donc, c'est à partir de la prochaine pépinière qu'on pourra mieux voir comment est-ce qu'il faut faire. Mais là, le premier travail pour nous, pendant ce temps où on va répéter, on va mettre en poquet, c'est de maîtriser le circuit d'eau. Une fois qu'on aura cartographié le circuit d'eau, on pourra savoir comment est-ce que on va partager l'eau dans différents casiers. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais nous, on te suit. Là, vraiment, nous, on te suit. Non, mais après le problème, parce que c'est ce que tu disais. Nous, quand on met, par exemple, quand on finit de planter, nous, on se disait que non, quand il y a beaucoup d'eau, il y a un bon rendement. C'est pas bon. C'est le constat a été observé. Si quand on va sur le film, sur la rivière, donc le système d'agriculture intensive, on va remarquer que les agriculteurs traditionnels qui n'ont pas reçu la formation, leur système, leur des systèmes améliorés, penser la même chose. Plus il y a d'eau, plus le riz pousse mieux. Alors que non, à un moment donné de la phase végétative du riz, il faut que le riz, les casiers soient desséchés pour que le riz ne s'étouffe pas. Parce que c'est la même manière que l'herbe meurt là. C'est la même manière. C'est la même manière que l'eau aussi empêche au riz de mieux s'améliorer. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Mais pour le moment, on va suivre la logique qui a habituellement été utilisée. Après, maintenant, on va essayer de réfléchir. Comme je disais, il faut d'abord qu'on cartographie le circuit d'eau. Après cartographier, plus tard, on pourra organiser.
Je m'appelle Akangwan Gladys Andrea. C'est moi qui écris le projet de rizière au niveau du Chimango. Bon, la reprise de rizière au niveau du Chimango. Donc, l'idée me vient de M. Esnel, le père fondateur de l'African University of Management. Donc, dans ses objectifs liés à l'université, il nous a proposé de faire des mémoires projets pour la soutenance en Master 2. Vu que l'école est à 80% entrepreneuriale et 20% professionnelle. Donc, chose qui m'a plu, déjà que j'aime bien la culture. Donc, on s'est lancé dans cette aventure en mars 2016. En venant, nous avons pris attache avec la direction provinciale de l'agriculture qui nous a confié un guide et un expert, un confrère, un conseiller vraiment, M. Mbumba, qui nous a fait visiter tout le site et on a eu la grâce qu'il ait aussi travaillé dans les années dont cette même rizière contre les Chinois l'avait ouverte. Donc, il nous a montré tout le site. On a visité toutes les installations qui étaient déjà à moitié gaspillées. Il fallait les refaire. Donc, dans toute cette rizière, nous avons 80 hectares qui sont divisés en 4 zones. Donc, nous avons Mouti 1, Mouti 2, Mouti 3 et Mouti 4. La zone de Mouti 4 est quasiment déjà... On ne peut même plus la récupérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit là-bas et qui ont fait des grands trous, des trous énormes pour faire des briques de terre. Donc c'est vraiment impossible, quasiment impossible pour nous, sauf si on met beaucoup de moyens pour remplir d'abord les trous qui ont été faits et ensuite récupérer la zone. Bon. En ce qui concerne le projet, la mise en place du projet, après la rédaction du projet, j'ai validé mon master 2 avec ce projet. Et donc, monsieur m'a demandé de suivre le projet sur Chibonga. Donc, chose que j'ai acceptée, on va descendre à Chibonga. Peu importe le temps que ça prendra, mais avec le temps, on sait que la terre ne ment jamais. Si on commence déjà à planter une graine, la graine va produire 2, 3 fois et ensuite on aura des tonnes et des tonnes. Chose qui a été faite la première année de production, donc en 2017. On a commencé avec 15 kg de paddy. Donc l'objectif, c'était de multiplier la semence. Chose qui a été faite. Aujourd'hui, nous retrouvons quasiment avec 6 tonnes de production. Donc ça veut dire que l'objectif a été déjà atteint dans le court terme. Maintenant, présentement, nous exploitons 4 hectares. Nous comptons nous étendre sur d'abord 20 hectares d'ici l'année prochaine par rapport à la quantité de semences qu'on a eu à produire. Je vais dénoncer toutes les autorités là. Les parents ne sont pas informés. Quel gros sensu! Je n'en plus dans la flotte là. Barré, c'est comment? C'est le sensu. Oh, comment est-ce que tout ça glisse? Moi, il n'est pas plus planté, c'est fini. Attends, les sensus qu'on voit souvent, les gros sensus. Maintenant, tu fermes ça pourquoi? Tu fermes l'endroit là pourquoi? C'est pour éviter que l'eau puisse encore entrer. Donc, s'il y a beaucoup d'eau, ça va déborder sur le riz. Donc vous ouvrez ça quand vous arrivez. Maintenant, quand il y a la pluie, vous faites comment? Non, mais la pluie, même si ça s'inonde, pas nous, le sort.
maintenant ça là, ça vient d'où? C'est la pépinière. C'est fait à base de graines qu'on sèche. Comme ça, on a une durée de 2 ou 3 jours à l'eau. Et quand on fait sortir, on pose ça sur le banc de boue. Ah. Et vous ne faites pas ça ici là? Si, si, c'est là. Donc ici nous sommes au niveau de la pépinière du riz, la variété Nerica. La pépinière dure 3 semaines, au plus 4, donc 1 mois. Quand elle est déjà prête comme celle que nous remarquons ici, nous la récupérons pour la transplanter au niveau des casiers. Et c'est ce qui est déjà fait par les étudiants. Nous allons faire la démonstration ici. Nous arrachons les plants déjà de riz et nous allons transplanter. Donc ici nous sommes en train de faire le repiquage. L'écartement utilisé est de 20 cm entre pied et sur la ligne. Voilà. Nous prenons 3 à 4 pieds par poquet. 3 à 4 pieds. Voilà. Nous repiquons en ligne pour un peu plus d'esthétique aussi et d'ordre. Voilà. Donc c'est comme ça que cela s'est fait. Donc après le repiquage, pour cette variété d'Nerica, elle dure 4 mois avant la production. Après la récolte, ça s'ensuit d'autres étapes. Nous allons passer à l'abattage. Après l'abattage, il y a le vannage. Et après le vannage, nous avons l'étape de la décortiqueuse, donc le décortiquage, au niveau de l'usine, au niveau de la riserie. Tout le produit récolté au niveau de Tubanga est vendu, une partie à Tubanga, la seconde partie à Libreville. C'est les deux variétés que nous avons, donc l'Onerica et une variété aussi non parfumée, tout venant, parce que nous n'avions pas en réalité le nom exact de cette variété non parfumée. Le matériel, une partie du matériel appartient au ministère de l'Agriculture et aussi quelques outils aussi venant de la coopérative agrobusiness. Donc là nous allons voir le bloc du riz non parfumé. Il y a aussi une pépinière déjà pour ça. Vu la présentation appréciable déjà de tout le casier, nous avons souhaité récolter pour une seconde fois, parce que en récoltant pour une seconde fois, nous avons la possibilité de minimiser les coûts pour la préparation du sol, les coûts pour la semence,
les coûts pour le planting. Donc tous ces coûts sont éliminés par rapport à la production des ressources. Nous avions pu réaliser ces différentes opérations au moment de la première partie, donc le planting, la transplantation de la pépinière au casier. À ce moment, nous avons fait la première récolte et après cette première récolte, nous avons pu observer que les casiers se présentaient bien. Nous avons souhaité récolter pour une seconde fois, comme je disais tantôt, pour minimiser en fait les dépenses de la préparation du sol, des semences et de la main-d'œuvre dans le cadre du répiquage. Donc tu es là juste pour chasser les oiseaux? Et ça fait combien de temps, quelle durée tu fais ici? Combien de temps tu fais ici pour chasser les oiseaux? Ça fait de 5h à 19h. De 5h à 19h, vous chassez les oiseaux? Oui. Très bien. Donc ça veut dire qu'à 19h, il y a toujours des oiseaux qui viennent manger? Non, c'est à partir de 6h. Okay, 5h, parfois, ils viennent à partir de 5h. Là, il faut compléter. Mais ils repartent à 19h. Alors, c'est un travail que tu aimes faire? Oui, j'aime faire ça, je suis habitué. Est-ce que vous pensez aux risques? Les risques? Bon, pas vraiment, il n'y a pas de risques. Voilà. Oui, tu peux prendre. Donc, ici, nous sommes dans des casiers de riz, des repousses. En fait, les repousses que nous avons d'abord fait la première récolte, après le répiquage, et constatant une présentation favorable pour une seconde récolte, nous avions préféré conserver ces casiers et avoir la seconde récolte. Les repousses nous permettent d'avoir une plus-value, parce qu'il y a des opérations qu'on ne réalise plus, par exemple la préparation du sol. Par exemple, la dépense encore des semences pour réaliser une nouvelle pépinière. Il y a aussi le coût de la main-d'œuvre dans le cadre du répiquage. Donc, tous ces coûts associés sont plus ou moins annulés. Il y aura juste des opérations de récolte et de gardinage pour chasser les oiseaux, parce que ce que vous voyez là, ça sert de créer un bruit pour chasser les oiseaux qui sont vraiment les premiers ennemis des cultures pour le riz. Donc, au niveau d'ici, nous avons près de 6 casiers que nous avions gardés après la récolte de toute cette zone de près de 45 casiers au niveau du bloc de riz non parfumé. Voilà. Donc, ici, comme vous voyez bien, il n'y a pas assez d'herbe. Le riz, dans 2 à 3 semaines, doit être prêt à la récolte. Et la présentation au niveau même du paddy, vous voyez, il n'y a pas d'attaque des champignons ou des insectes, mais la plupart du temps, nous avons des visiteurs de zélacode, appelés vulgairement des hérissons. Nous avons la présence des oiseaux qui viennent aussi de temps en temps récupérer une partie quand le champ n'est pas suivi par les gardiens. En dehors de ça, le reste du travail est fait comme la première fois lors de la première récolte. Donc comme je disais tantôt, après la récolte ici, nous allons passer d'abord au battage, après nous allons passer au vannage, après nous allons passer maintenant à l'usine, donc à la riserie. Au niveau de la riserie, c'est pour le décorticage. Et tout le stock récupéré au niveau
de l'usine. Une partie est vendue à Tshubanga, la seconde partie est vendue à Libreville selon les demandes. Les opérations annoncées déjà depuis là-bas concernant l'ORI commencent d'abord au niveau d'abord la préparation de la semence, donc le triage au niveau de l'eau pour avoir les grains qui sont à même de pousser. Et après ce triage, nous les passons au niveau de l'étape de la germination, donc hors de l'eau. Dans l'eau, il y a une durée de 3 jours. Hors de l'eau aussi, une durée de 3 jours. Et après ces 2 étapes, nous allons prendre déjà les grains pré-germés déjà, que nous allons mettre au niveau des surfaces aménagées pour mettre nos grains pré-germés en pépinière. Et en pépinière, ces grains pré-germés durent 3 semaines, environ 1 mois. Après, nous passons au planting, comme ce que nous avons vu de l'autre côté. Je crois, dès le début, je disais que je suis le responsable du projet à Tshubanga. Je me nomme M. Mbumba Patrick, ingénieur de technique agricole. Et j'ai eu l'honneur et la confiance de M. Yembi Esnel, le promoteur de ce projet, responsable de la coopérative Agrobusiness, qui est installée à Libreville, précisément à l'Université africaine de management. Aujourd'hui, pendant que nous parlions, pendant que nous y sommes, il y a une partie, près de 100 étudiants qui sont arrivés pour une période d'immersion, venir voir comment l'activité de riz s'est faite à Tshubanga. Durant une semaine, ils vont toucher du doigt, ils vont aussi planter, et ce qui est sûr, ils auront aussi au moins une partie des connaissances de la riziculture. Nos cultures se portent bien. Il n'y a pas de présence des champignons, il n'y a pas de présence des insectes nuisibles. En dehors, comme je disais tantôt, des oiseaux et des olacos, donc des hérissons. Voilà. Donc, dans l'ensemble, la récolte est favorable. Tout est vraiment bio. C'est pour dire, consommer le riz venant de Tshubanga, c'est vraiment être en bonne santé parce qu'il n'y a pas de produits phyto utilisés. C'est ça l'avantage. Pas d'engrais. Pas d'engrais. En tout cas, non. Vraiment, tout est bio. J'espère que vous voyez, depuis que vous êtes arrivé, le tracteur a prêté le site. Après a prêté le site, sachant que le milieu a été en jachère pendant des années, il y a cette présence de matière organique dans le sol, ce qui favorise un développement facile de nos cultures de riz. On n'est pas dans la contrainte d'utiliser des engrais chimiques. En utilisant juste la paille que vous voyez derrière moi pour fabriquer les composts, ces composts, nous les remettons au niveau de nos casiers de riz, nous aurons toujours un sol fertilisé de manière naturelle. Et la paille, là, c'est la première récolte. Oui, la première récolte. C'est la première récolte du riz. Et là où nous étions, nous sommes dans la phase de la seconde récolte, comme je disais, de repousse. Et repousse, ça veut dire que après la récolte, il y a des souches. Au lieu directement de venir labourer et relancer, comme je disais tantôt, quand le milieu se présente bien, qu'il y a des repousses sur toute la surface, nous préférons conserver pour avoir une seconde récolte. Sauf que la troisième récolte ne peut pas être faite parce que le comportement déjà de notre culture présente d'autres aspects qui ne nous amènent pas à faire une troisième récolte. Par exemple, la taille même de nos pieds de riz. Après la première récolte, si nous avons une taille de 1 mètre, maintenant la seconde fois lors de repousse, nous avons moins de 1 mètre. Donc nous avons 75 cm. Donc si nous continuons à tenter de récupérer au niveau
de repousse pour une troisième récolte, la taille doit encore diminuer de 25%. Donc on risque d'avoir une taille de 50 cm de hauteur. Vraiment, la possibilité d'avoir une bonne récolte n'est pas comme pour la seconde fois, donc les premières récoltes de repousse. Donc c'est ce qui nous amène à faire en sorte qu'on récolte la première fois et après la seconde fois avec les repousses. Et on s'arrête par là, on reprend encore le cycle de la culture, donc préparer le site, labourer, émietter, faire en sorte qu'il y ait vraiment tout ce qu'il y a d'utile en préparant le site et après on passe au repiquage. Conscient de mes potentialités, je prends aujourd'hui l'engagement d'appartenir à la grande famille ayumoise.